Toujours au chapitre agricole, mais un peu plus heureux. Le renouveau de la race gasconne, vache emblématique du Sud-Ouest, elle s'apprête à changer de nom pour devenir la gasconne des Pyrénées. Objectif, renforcer son identité pour mieux se développer et accroître sa notoriété. Car la gasconne plaît en France, mais aussi à l'étranger. Le reportage de Geoffrey Berg et Pascal Dussol. Nouveau logo, nouvelle identité, la gasconne devient officiellement la gasconne des Pyrénées. En marge de l'inauguration de son nouveau centre, le groupe Gascon a présenté son projet racial pour les 5 ans à venir. L'objectif, ancrer localement la race emblématique du Sud-Ouest. Il nous a semblé que dans ce berceau de race qui est l'Ariège et les départements pyrénéens, il était fort important qu'on s'ancre encore plus à ce territoire, à nos origines, à ce terroir, à notre savoir-faire et à notre identité. Ce projet, réalisé à l'aide d'un groupe de travail de 12 jeunes agriculteurs, doit contribuer à étendre le rayonnement de la marque gasconne et procéder à son développement dans les années à venir. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir 25 000 maires. Ça correspond sur ce territoire Occitanie-Pyrénées à quelque chose de bien. Il y a environ 1 000 familles qui vivent directement en tant qu'éleveurs de la production de vaches gasconnes. Il faut continuer, le développer, mais je dirais lentement, sûrement. La gasconne est présente dans 72 départements, mais aussi dans une dizaine de pays, comme l'Espagne, les Pays-Bas et les États-Unis. Les éleveurs étrangers sont conquis par la race. C'est une race adaptée à nos terres. Ensuite, il y a la saveur de la gasconne. C'est l'une des races où le goût est un peu plus prononcé, un peu plus de saveur. À côté de notre laiterie, nous recherchons une race de vache à viande et nous pensons que la gasconne pourrait parfaitement convenir. Avec sa nouvelle marque, le groupe Gascon espère gagner du terrain en France et dans le monde. Aujourd'hui, 85% des 45 000 têtes de la race se trouvent en Occitanie.